Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Frank et aujourd'hui on est sur Naval Action et on va faire un petit combat en PVP avec les amis des EDR et d'autres teams contre les Swedish. Donc on va voir si ça cartonne, si ça coule tout de suite sur nos petits canons. Allez, on fonce. Bon, le combat il est déjà engagé donc pour sortir tout le monde ça va être un bordel, surtout qu'on n'est pas tous sur le même TS là. Consti. Consti. Les gars, la Draco là qui arrive devant et. Comment ça se fait que eux ils arrivent à regrouper masse de monde en un même temps et nous. Bah parce qu'on est à côté de leur port et qu'ils sont localisés. C'est clair, on est chez eux quoi. Mais sauf que eux c'est pareil, hein, quand ils sont chez eux. Ils sont nombreux en plus. C'est les bots tout simplement. Allez, loulous, les deux trincos là faut que ça coule direct. Hein. Fais un focus sur les deux trincos qui viennent nous approcher. Simon, on va aller à Frégate. Hein. Pardon ? Frégate en face là. Non. Ouais, je sais pas, je suis un peu le cap d'Ovo là. Vous pouvez me dire où est la sortie de cette bataille là que je fuis? Ah, on va converger là. Tu passes en plein milieu des rouges et puis elle est derrière. On a quoi là? On a Elias en trinco et puis on a une trinco qui repart là de l'autre côté là. Charlemagne, il n'y a pas de sortie ici. Merde. Non, il n'y a pas de sortie, c'est à la vie à la mort là, Charlemagne. Allez, mon Charlot. Faites les voiles, les loulous, c'est eux qui remontent sur nous. Qu'est-ce que tu fais, Diz? Je prends l'échalot et je marche face au vent. Ok, le CPC, on a le premier Bellona qui arrive là. Bah ouais, j'arrête. Ils sont en zone de. Le premier Bello, c'est Loki 0815. 0815, on focus pour les CPC, tout ça. Les PSI sont encore au bazar. Tech Bermuda. Tech Bermuda, c'est original. Le mien c'est un Fir-Fir. Ok, donc c'est GBG, faut faire attention. C'est une formule que les Suédois Gankeur aimaient bien aux Danoises. Ouais. Tech, ouais, je connais Tech Bermuda, j'ai jamais testé. Ça permet de gagner un peu plus de vitesse. Ouais bah du coup. Et les mains, c'est tout, c'est quand même du tech. Attends, falloir que tu fasses gaffe, on va se taper le cul de l'île. Charles, regarde où tu vas. Oui. T'es en train de tirer sur le Swedish. Mais tu regardes pas. Bah oui, je peux pas. Attention les gars, vous avancez pas trop. Restez sur le Melon at Demon si vous pouvez parce qu'en fait ils vont focus. Petit comme ça. Comment tu les provoques, je crois. C'est normal. Votre fraguille à sacre si tu es là, je tourne à fond. Le Bucentaur il va sortir à zone de renforcement en bas. Prêtez-vous à ce qu'il soit arrivé sur moi. Oui, ça va arriver. Vois le Bellona là, Titan. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se faire de renforcement. Hein là. Vois le Bellona là. C'est chiant. Ouais. Ah ouais, on essaie Bucentaur. D'y faire les on voiles, va comme couper, ça il pourra jamais couper. Par contre, en plein, faut qu'il arrête de zigzaguer devant moi. Comment on veut être. Des problèmes, nouveau prêt. Restez pas paquet parce que s'il tire dans les voiles, il touche beaucoup. Le Bellona, on l'a mis à 93. Hein. Le ferry, il fait. Faites pas comme les Ricains là, hier. Restez pas paquet. Bon, moi je vais pas encaisser les coups, mais après vous êtes des petits. Attention, il y a un trinco juste derrière nous, toute seule, les gars. Eléazar prend le vent par rapport à eux. Comme ça, s'il nous tape au bras. Diz, il y a un trinco derrière nous, toute seule. Bah, les loulous, ceux qui sont dehors, à la limite, vous passez les infos. Allez dans un autre channel, les loulous. Là devant, il faudrait que vous passiez déborder sur le vélo qui me suit, là, Loki machin. Ouais, bah, ouais, je suis bord à bord avec lui. Frangui, tu vas où Frangui? De Frangui, je tourne à fond. Non mais je m'éloigne et je me mets dans l'axe. Je tourne. Il y a trop de monde dans mon coin là, dès que je tourne, je tape quelque chose.
Par au 4,90. Attends, eh les gars, vous êtes en train de perdre des Français derrière vous, hein. Vous descendez trop. Vous descendez trop grand, il y a des Français qui sont en train de se faire isoler derrière, des ODR, vasectomie, tout ça. Bon. Ouais. Revenez sur eux parce qu'ils vont les péter un pas. Pour partir au 135 presque. Ouais, repartez même 2,70 ou 2,70. Deux fringues bien pris. 2,70 tout le monde. Tourne à fond, on rentre devant. Et en plus, on prendra un peu de large avec un vélo juste à côté. Bonsoir à tous. Salut chef. 170. Là, tu tentes à la pirate frégate là. C'est du beurre le truc. Attention de fringue, je tire juste en deux derrière toi, Louis. Enchaîne. Je sais pas si je toucherai quelque chose. Allez, là, vous en faites des voies, tout ce que vous pouvez. De cette portée. Il y a un Suédois dans notre site. Une Renault derrière. Allez, 315. Ceux qui sont à gauche, vous prenez un cap 45 et ceux qui sont à droite, 315 s'il vous plaît. Vous protégez les Français qui reviennent sur vous. Il y a du petit voir là pour aller avec la pirate frigate. Ah ouais, on est chuté. Donc feu, je dévente, tu passes devant. Ils sont en train de ouais, venez sur deux petites petit toits là. 270 ouais. Les gars, 270. Ouais, ouais, j'ai le 270. Jean Dupuisson a baissé ses vols, il a du déco. Ouais, mais je pense qu'il a du déco. Il a souvent des problèmes de PC, de freeze, de machin. Les Bellona, c'est ça? Focus tous ceux qui sont derrière du petit toit, s'il vous plaît. Faut pas qu'ils rattrapent du petit toit. Donneur choc, on se voit la mort. Votre fringuer à Julien, puis au veau, passez. Et vous faites la coque, donneur choc la coque maintenant, plus les voiles. Éventuellement, un blower pour les voiles. Du petit toit, tu gardes cette trajectoire, c'est nickel. Hein. Ok. Si t'arrives, j'ai un blower. Termine sur lui. La fille. Basile, faudrait que tu t'écartes un petit peu et que t'ailles réparer derrière ton plat. J'ai déjà lancé le répar. Je suis en fier, ça va être délicat. Pas ton cul, Titan, je vais rester. Le
Fringuier me font les mains ces enflures. Je vois combien je suis. Putain, 18% c'est bon. Il y a un qui brûle les gars. Attention, un blower il est en feu, il va se laisser peut-être péter. Hein. Qui c'est qui va se faire péter? Un blower. Il est juste derrière Rogue Company du petit bar, etc. Si c'est pété, il y aura plein de Suédois aussi qui va péter. Qui arrive pas. Ouais, vu les spams qu'il a, faites gaffe. Je peux te bouger de channel, deux secondes. Vas-y, mais est-ce que vous pensez juste des moines ça vaut le coup de venir ou c'est trop tard? Ça vaut toujours le coup de venir avec les Suédois. Non, je sais pas. Attention que t'as l'oisa là. Le voisin qui prend à droite sur vous les gars. Je cherche à faire les mains de Fringuier. Bon, du petit toit, vasectomie, etc. Virer au 90, virer au 90. Ok, bien pris. Ok. Ceux qui sont à gauche, virer 90. Ceux de droite, même chose. On va enrober ceux qui sont derrière là. On vire au 90. 90 tout le monde. Allez, 90 tout le monde. Bon, votre comité d'accueil en sortie est en train de se barrer. On vaut 90 à fond. Je suis. Donc, 90 aussi. Donc, tu tournes. Là, j'aurais pas dû prendre mon Waza Firfir du coup. Ah, c'est le plus adapté à ce genre de situation. Si, si, on est allez, 90, vous reprenez tout de suite une target, les gars. Ouais, c'est bon, j'en ai deux. Vasectomie, attention, tu approches dans les sous-là, vasectomie, fais gaffe. Ah, moi, tu me dis un 90, gros. Essaye de tous les prendre. On a une renommée devant nous en plus. Tu pars dessus, de haut. Ok, vous voyez Shadow Phoenix et Loki 0815, les deux Bellona. Les deux Bellona qui sont entre vasectomie et moi. On peut les péter si on les burst comme des porcs. Petit tour vasectomie, fait Shadow Phoenix, Loki. Et tout le monde les rush. Le fringue à ouvre, je ralentis, je tourne derrière toi. Je vais monter 90. Le vasec, je sors, faut que je répare. C'est parti comme ça. Ok. Voilà, c'est bon, c'est reparti. Prends un cap. Yo les gars, j'ai un Kama. C'est. Merci. On a notre petit Kama là. C'est ça. On lui fonce dessus. On va s'occuper de lui, je crois. Elle est où la baston exactement? Bagus. Non, plus haut. Qui est un tout petit peu à l'ouest de la bataille où tu étais tout à l'heure. C'est juste. Tu prends Basterton et tu vas à l'est, côté lui. On aurait dû accepter le fight dès le début. Hein. Louis est tout seul au milieu des Suédois là. Tapez un blower si tu peux pas taper le vélo devant.
Allez, Palatinos déjà, Palatinos. Je suis dessus. Shadow Phoenix il est à nous là normalement. Attention Grim de Ovo, je passe devant toi. Titan, on fait la ligne tous les deux. C'est où? Devant toi. Essaye de continuer à toper Loki, là il est bientôt fini. Attention, faut virer pour faire prêt. T'as pas l'Istone, c'est un Bellona qui est complètement excentré du groupe là. Faut y finir les Lelou. Pierre, Lanfeus, Fringy. Ouais. Rigging, non, choc. Bien, bon, je monte sur Palatinos de Fringy. Palatinos, ouais, t'en fais pas, je suis sur Palatinos. Ok, super. Juste que je recharge pas beaucoup, pas très vite. C'est pas grave, c'est pas grave. Garde-le dans le, cercle. N'hésite pas à lui rentrer dedans avec Grim. C'est marrant, il faut Palatino va essayer d'aborder Grim. Non, mais c'est pas grave, ça le maintient ici, c'est bien. Pétez-lui, regarde comment il mange avec sa coque là. Ok. Palatino, ça Grim, t'es mal foutu là, j'arrive pas, je peux pas tirer. Il faudrait qu'il change de cible, je tire sur... Yes, yes. Grim, lâche-le celui-là. Sac, va sur Palatino, sac. Finis-le. Il est abordé, je l'apporte en plus. Grim, t'as un essai. Ah, Grim, bouge-toi parce que je suis en train de l'arroser. Quand il y a le petit connard là derrière qui m'énerve là du rein avec ses... qui me fait les voiles. Sacre 2, tu peux lui mettre une bordée, ça me dérange. Votre Majesté, vous êtes toujours en vie. Il est à ta droite. C'est un scandale. Attends, laisse cette trinco de merde, la retourne dans le tas avec les autres, le loup. Quoi d'âme, quoi, tournez-le. Ikosan il a l'air pas mal, il a porté. Je
Gris, il me reste pas là-bas trop. Ouais, c'est bon. Il y a du monde quand même. Ouais, vas-y, je vais essayer de me laisser. Ouais, mais c'est pas grave, je vais partir à gauche comme ça. Grim, tu vas couler, essayer d'aborder un Bellona ou un truc comme ça, histoire de sortir du combat pendant un moment. On va louper. Cartez-vous les gars, cartez-vous. Le fringui, j'envoie sur la trinco d'Elias. Les gars, si vous les rushez pas, c'est simple, si vous faites que courir comme ça, vous n'en aurez aucun. Ouais. Ils vont vous faire tomber un par un. Donc où vous allez en choper un. Je m'occupe de la trinco alors. Est-ce qu'on fasse demi-tour là? Oui, vous faites demi-tour, vous foncez, foncez sur Elias. Fringui, percute Elias. On fait un 4. Ouais, je m'occupe d'Elias, le fringui. Allez, Elias, vous me le pétez là, c'est une trinco de merde, y'a aucune raison qu'il s'en sort. Ouais, vas-y, je vais dans le dos et je vais exploser. Moi je dis prends un 4-315 et on leur rentre dedans. Ils sont plus légers que nous. Mais oui, arrêtez de courir, en plus ils ont tout le temps de réparer leur répa quand vous courez comme ça. Ils ont tout le temps de le faire. Allez, on y va. Dis attention, je vais péter sur Elias. Écartez-vous un petit peu quand même. Oh, vire à droite à Zedbier. Vire à droite. Ah, faut tous qu'on tourne. Hein. Virez tous à droite. Mais attends, il va se faire péter. Oui, mais vire à droite quand même. Vire à droite quand même, t'es assez loin. Virez à droite. Putain les gars. Oh. Droite. Jean, Aspierre, Fringui. À droite, mais je peux pas tourner, je suis bloqué entre les deux. Donc, Il y a que moi qui suis parti dans le bon cap. Et Kraoul. Allez, et là vous rushez donc à Naï. Vous finissez à droite et vous rushez donc à Naï à bloc. Et il y a Elias avec. Allez, Jean à droite. Oh, on y va tous à droite. Allez, Aspierre à fond à droite là. Moi je tourne à droite, je te rentre dedans si ça passe. Jean, ça va faire boule. J'ai pas dit que ça fasse boule, hein. Des fois c'est très très long. Chargé du double, hein. Faut l'allumer au premier passage. Attendez avant de tirer, attendez que vous ayez bien sabordé. Il n'y a pas de passe. C'est clair. Ralentissez tranquillement et laissez-le venir parmi vous avec donc un aïe à bloc. Et vous l'entourez. Les gens allez, quand vous allez bien l'aborder d'un bloc, vous allumez à bloc. Si vous avez bien donc un aïe de côté, vous parlez, vous faites donc un aïe, mais pas de face. Faites la coque, c'est du fier. Profitez-en que Basile de Coq va se faire fêter là pour burst un coup à bloc et donc à Naï. Ouais, il est complètement scindé, profitez-en. Allez, pète, coucou, pète, putain. Allez, faites demi-tour devant l'enfeust, etc. Faites demi-tour, revenez sur un bloc. Tourne, mes bordées sont presque bonnes. Champ double. Fringui, mais il tourne aussi l'enflure. Pour la roue, pourquoi à Oud ça sent le sapin? Revenez sur un bloc, pointez vos, le nez de votre bateau sur un bloc. Le nez de votre bateau sur un bloc. Voilà. Ok, Loki et des bateaux. Vous allez sur un bloc, le nez de votre bateau sur un bloc. Vous par conscient. Tout le monde. Venez de votre bateau sur un bloc. Allez les gars, attention à l'enfeust à gauche. Mon canaille au passage, allez. Fringui, pousse-toi. Ouais, j'essaie de me dégager plus vite possible. Fringui, tu me caches le tir. Simon, il est pour toi à bloc. Je vais essayer. De Fringui, je tourne à fond à gauche. Et de Fringui. Canaille, je lui mets aussi une douille. Un bloc, il essaie de se casser, les gars. Un bloc, il essaie de se casser. Je suis en train de charger une du double. Remontez tous sur un bloc. Vous écartez pas de lui. Putain, ça rebondit, bordel. Para Fringui, reste sur un bloc, Loulou. Ouais. Je tourne à fond à gauche. Ça contre-vent, je suis pas très bien. Julien et Templar, là, on a un track terror là. Allez Simon, tu me le défonces. Mets-toi en dépower, quand tu tires, tu tireras plus bas. Aspire, tu restes sur un bloc aussi. Hein. Allez mon loulou.
plutôt bon pour la répa. Je peux relâcher mes conneries. Allez, tu viens à droite, tu mets ta bandée droite. Ah putain, y'a pas... En mettant un petit coup à l'arrière en même temps, l'autre va le protéger aussi. Allez, on peut finir dans Canaille aussi. La fringue, je suis presque chargé pour un bloc. Oh là, j'ai pris cher. Bon, par contre, l'enfoiré va me planter l'autre avec son. Je tire tout de suite. Fringuer, si tu retournes là-dedans, tu vas y a personne qui t'assure. Non, bien joué, mais... Ouais, l'autre il m'a bloqué le tir. Aïe. Ne perds pas avec la carroie cette distance. Par contre, malheureusement... Ça passe. Donc Canaille il est dématé. Bah pensez lui dessus, coulez-le et au pire il y aura que je vais couler. Elle a pas la tino derrière nous. Et tu devrais reculer, Julien, là, t'es mal en point, là. Jean Dubuisson, empêche-le de virer à droite, Jean Dubuisson, s'il te plaît. Donc, Anaï. Viens avec tes voiles et empêche-le de virer à droite. Va le percuter et remets-le dans le sens de la flotte. Voilà, nickel. Tu l'empêches d'aller à droite. T'auras sa bordée bien niqué. Viens le percuter. Percute son nez pour le tourner. Allez, pousse-le, mets-toi en dépower, pousse-le. Ne le dépasse pas. Si tu le dépasses, il va tourner à droite. Que je mets. Je retourne réparer. Voilà. Tant. Nickel. Tu continues à l'asperger. Ou alors il y a comment il s'appelle Aspire qui va s'en occuper. Asper, même chose côté droit. Jean de Buisson, tu peux revirer à droite. Ça, je les choque. Revire à droite, Jean de Buisson. À droite. Moi aussi. Tu continues à se mater donc Canaille. Bien son cul, l'enfeuse peut passer sur sa gauche et pour pas qu'il tourne à gauche complètement. Moi aussi. Tu le bloques en fait. Ah ou attention, il y a Fringuet qui va shooter peut-être. Vas-y, Fringuet shoot. J'attends, je suis pas chargé. Empêchez-le de retourner vers ses potes. Tu veux empêcher de retourner vers ses potes, surtout. Sur
C'est bon, il a plus de gouverne. Ok, ok. Ne le dépassez pas, surtout. Finissez-le. Défoncez-le, par contre, il y a du monde derrière. Ouais, mais vous finissez pas, du coup, il va pas. Il va s'en sortir. User joined your channel. Le fringue, je reste à ses côtés tant qu'il bouge pas. J'ai de la brode, j'ai plus de double. Non, mais faut le fringue, il tire encore sur la droite. Hein. Ouais, ouais. Pareil, Jean Dubuisson, si tu tirais sur la droite de Don Canaille, fait. Ouais, ouais. En train de recharger. C'est bien, Raoul, empêche la de tourner. User left. Ah, les PD ils vont se mettre devant pour pas la Tino. Ouais, pas la Tino, ils protègent, ils savent bien jouer hein, ces enfoirés. Non, ils savent pas bien jouer, c'est nous qui jouons très mal. Ouais. On peut dire ça aussi. On a fond pour vie. Mais Durin, on va te laisser écouter les anges. Tu peux l'avoir, tu peux le faire. J'essaye. Allez, c'est ton mieux. Allez, gros. Staff au JA, fait que bonne soirée. Ah, mais c'est le pire, c'est pas grave. Putain, c'est pas grave, je tiens. Eh, c'est pas grave, mon voisin, c'est du jetable. Et Raoul, repasse mon rôle normal, c'est trop bien. Allez, c'est pas grave, je rentre dans le tas pour essayer que Jean et le reste se cassent. Mon voisin, c'est du jetable. Il n'y a aucune upgrade dessus. Des canons. Ah, oh, mais reste en morceaux.
peu sur ta droite, tu peux pas shooter dans Camille. Je vais, si Pavel il reste en bord avec moi, j'ai gagné. Je mets plus de dégâts, il est plus light. Mais il recharge vite le Pavel. Votre Frangy, je suis en feu. J'enlève mon survival, que vous en pensez, il n'y a pas l'artino derrière moi. Il n'y a pas grand monde. Hein. Je crois que je vais me faire péter. Nos deux petits cousins, je ne sais me récupérer rien. Bon, je lui mets 3 types par bordée. Bon. C'est pas le moment où on essaye de se distinguer. On reste jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Exactement. Putain de merde. Il a pas l'air d'intéresser ma peau. Hein. Moi je lui donne pas l'occasion de me tirer dessus. Oh, les lâches putain, et le Pavel il va être aidé par deux Suédois. Un rang 2 qui se fait aider quand il se fait attaquer par un rang 4. Le pire c'est que je suis en train de couler le Pavel. Allez, à fond à gauche. Volte-face. Buddy left your channel. Bon, je suis coulé. J'ai 4-5 autour de moi. Ouais, j'ai vu Simon, j'ai fait les voies le maximum, mais. Je pensais que tu allais pouvoir t'échapper. Ouais, mais à un moment j'ai fait une petite connerie de voile.
J'ai essayé, je leur ai fait les. Ah, les PD vont couler. Ça n'a pas suffi. Bon. Ah, bah c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Hein. Je crois que la messe est vite là. C'est trop ça. Tu vas être obligé, de tous les couler à votre place, c'est quoi. Le Pavel, tu es obligé d'être aidé par les Suédois. Mal, c'est bien. Oh lui autre choc, je suis en rôdeur. Ah ouais, j'ai vu. Si j'ai réussi mes tirs de la fin, je peux... Lika, tu vas être obligé de me faire un nouveau vélo. Là, je sens que... Là, je répare tout ce que je peux, mais là... Il me vole, il me vole. Ah, je viens de crash. Bon, moi, je m'en vais sortir. Ok, ben, chouchou. Eh ben non, je vais plus sortir, j'ai été touché. Putain, mais mes voiles marchent plus. Non, t'es en rigging shock. Ouais, je sais. Bah, j'ai envie, j'ai crashé. Non, on va peut-être pas partir dans ce sens-là, on va plutôt faire dans ce sens-là. Raoul, vous salue bien bas. Tiens. Allez. C'était bien quand même. Merci, ouais, c'était très bien, même si... Je reviendrai avec plaisir. C'était formateur. C'était formateur. C'était formateur, un WhatsApp d'être super en bord à bord. Hein. Je repense à l'enthousiasme qu'on avait en partant. Ouais, ouais. Mais tu sais, quand tu prends ce qu'on appelle la bite, ça te détend assez rapidement. C'est ça. C'est ça. Ouais, ils vont m'aborder, dégage. Non, ils m'aborderont pas, dégage. Non, mais c'est vrai que le problème, c'est, je sais pas, on a mis tout le temps à la rentrée dedans. Cool. On était un peu léger aussi, je pense. Ouais, non, mais bon, je pense qu'on était forcé équivalent, ils avaient un peu plus de vélo, ok. Et on avait deux chiffres. Ils avaient pas mal de chagas. Ils avaient juste deux fois plus de vélo. Et ils avaient un Pavel, et les 5 étaient ensemble. Hein. Ouais, mais je pense qu'honnêtement, si on était rentré dedans, comme t'avais dit dès le début, on aurait pu en tomber. Non, mais, on aurait Pavel... tombé 2-3. Ouais. Ouais, leur ouais. Pavel, il est en papier mâché. Hein. Je lui ai mis même pas 5 bordées, il était complètement out. Non, mais bref, c'est pas grave, c'est que Fanny, on a pris le Fanny, et le truc. C'est déjà bien, tu vois, on se remet à jouer ensemble, tout, c'est cool, tu vois. Ça crée du contenu un petit peu pour tout le monde. Mieux que de se faire chier. Je fais marche arrière, bien fait pour eux. Et ils font marche arrière, font marche arrière. Ils sont en train de. Font marche arrière, font marche arrière. Ça me fait chier, j'ai pas tout le monde à la spigarette là, puis. Ah, c'est chiant de faire des marches arrière comme ça, les gars. Non, mais ils savent bien défendre ceux qui sont endommagés, c'est tout. Ouais, mais ouais, c'est si vrai, putain. Dedans, on leur rentre dedans d'entrée de jeu, honnêtement, ils ont beau se défendre. Enfin, tu peux rien défendre du tout, en fait. Genre. Ouais, mais bon, on a la possibilité, je pense. Que là, le problème, c'est que, en fait, genre, en ayant coulé assez tôt, alors tu sais, tu regardes la carte, tu vois ce qui se passe. En fait, genre, on passe notre temps à louvoyer, à fuir, à taper dans les masses. Certes, on touche, on n'est pas trop exposé. Mais le problème, c'est que derrière, en fait, ils sont bien mieux placés pour isoler des types et les caillasser, en fait. Tu vois. Alors que nous, on doit faire demi-tour, revenir sur le type, on perd trop de temps, tu vois. Alors que c'est dans leur sens de marche, tu vois. Ah, c'est cool, je reviens, je coule. Allez, cool, 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 mon boxon, allez, cool. T'as les autres, ils sont pas les trois, là. Je leur ai fait de marche arrière, malheureusement, ils ont peut-être pas dû. Ouais, bon, 3v1 avec un Waza contre un Waza, un Pavel et un Bellona de fuite, ça risque d'être assez difficile. Bon, est-ce que je lui shoot le Beaupré ou pas? Pire, c'est non, que je non, non, la non, misère, non. Hein. Je J'aimais bien ma consti, dommage. En une bordée, les gars, les chips, mets c'est du consommable, tics. On s'en bat les couilles. Non, non, mais je rigole, c'était de la blague. Ah, ok. En une bordée, je mets 3 tics au Pavel, en une bordée... Hein. Même si je perds un océan, j'en ai rien à foutre. Hein. User disconnected from your channel. Putain, il me manque des trucs sur mon bateau. Ça prend plus de travail pour Vika, c'est tout. Ouais. C'est ça. Putain, mais vas-y, relance le bateau, là, bordel. J'ai fait 25 mâts, 285 voiles. Putain, mon machin, il avance plus, j'ai plus de voiles, j'ai plus rien. Non. Allez. Et bah voilà les petits loups. Vous pouvez voir, il y a notre ami.
petit cousin qui est là dans le coin. Et ben voilà, cet épisode est fini pour aujourd'hui. Je vous ai passé le détail de l'abordage, car je me suis fait démonter, bien entendu. L'abordage, c'est pas mon truc. Mais bon, tant pis, ça sera pour la prochaine. On se fera mieux la prochaine fois. Donc merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Désolé pour les petites vidéos avant et après. Il n'y en a pas parce que j'ai problème avec ces vidéos aussi, vu que j'ai changé d'ordi encore une fois. Donc il va falloir que je refasse, et ça sera dans les prochaines vidéos, je l'espère pour vous. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup, et n'hésitez pas à faire un petit saut sur notre petit Naval Action. Et cherchez-nous des EDR, on est partout. Allez, en attendant de vous voir sur le pont les amis, faites pas les fouets, Pichou. Allez, à la prochaine.